Ok, on trace à partir de maintenant. Go. 20 secondes ou c'est bon? Oui, 20 secondes. Ok. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous nos participants, bonjour à tous nos intervenants et bienvenue à notre webinaire qui portera sur les applications des données spatiales européennes dans les domaines de l'agriculture et du transport en Algérie. Je m'appelle Andreas Becker et je serai votre modérateur aujourd'hui. Tout d'abord, quelques remarques d'ordre pratique. Ce webinaire sera principalement en français, mais on aura aussi des interventions en anglais. Et vous avez la possibilité de bénéficier d'une interprétation si vous cliquez sur le globe en bas à gauche de votre écran. Donc là, vous pouvez sélectionner de suivre le webinaire soit en français, soit en anglais. Par ailleurs, je vous informe que le webinaire sera enregistré et il sera disponible par la suite sur le site web de l'Action globale de l'Union européenne pour l'espace, le site sur lequel vous vous êtes inscrit normalement pour ce webinaire. Sans plus attendre, permettez-moi de donner la parole tout d'abord à Monsieur Luis Cuervo Spotorno de la Commission européenne, Direction générale défi, donc Industrie de la défense et de l'espace. Monsieur Luis Cuervo va ouvrir ce webinaire en nous donnant un aperçu du programme spatial de l'Union européenne. Louis, vous avez 15 minutes à partir de maintenant. Bonjour Andreas, bonjour tous. Tout d'abord, un grand remerciement au nom de la Commission européenne qui est derrière cette action globale pour l'espace. Je ne sais pas si on peut partager ma présentation, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord remercier aux orateurs qui nous accompagnent aujourd'hui et bien évidemment toute l'équipe qui a fait possible le webinaire. Next slide, please. Donc, je m'appelle Luis Cuervo, je suis en charge de l'action globale pour l'espace au sein de la Commission européenne. Et c'est une initiative qui est, disons, partagée entre le Foreign Partnership Instrument et la DG. DEFIS, donc la DG qui est la Direction générale de la Commission qui est en charge de la politique spatiale. Next, please. Next, please. Bon, tout d'abord, je voudrais remarquer une chose qui est vraiment exceptionnelle par rapport pour comprendre qu'est-ce que c'est l'action globale sur l'espace. Je crois qu'il faut commencer tout d'abord en mettant cette action en contexte. Le contexte est un peu particulier en fait parce que l'Union européenne a effectivement un programme spatial qui est, je dirais, qui est un peu exceptionnel par rapport aux programmes spatiaux des autres pays dans le monde. Dans le sens que notre programme spatial, tout d'abord, bien évidemment, on a développé des systèmes satellitaires très performants. On va en parler tout de suite. Mais ce qui est vraiment spécial par rapport aux autres systèmes spatiaux, aux autres programmes spatiaux, c'est qu'en fait, on a créé en Europe, on a créé un véritable écosystème d'appui. Et cet écosystème d'appui, c'est vraiment, disons, je dirais au noyau de ce qu'on est en train de développer, parce que ici, on ne part pas seulement, disons, de développement technique de satellitaires, de programmes Galileo, EGNOS et Copernicus notamment, mais on parle aussi, bien évidemment, de, disons, de l'extension des effets socio-économiques que ces programmes spatiaux
dans la population en général. Donc, on est en train de positionner les technologies spatiales comme, disons, facilitateurs de la numérisation. Et ça, c'est vraiment très important. Comme vous voyez les chiffres sur l'écran, le retombées économiques suite au développement de ces systèmes est énorme. Next, please. Dans l'action globale sur l'espace, on va notamment se pencher sur trois composants très importants du programme spatial européen, c'est-à-dire le programme Galileo, EGNOS et Copernicus. Juste deux petits mots sur chacun pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait avec chacun d'entre eux. Galileo est le GNSS européen, donc no, normalement ce que tout le monde connaît couramment, c'est le GPS des États-Unis, mais il y a des autres GNSS dans le monde, parmi lesquels Galileo est le système européen. Ce qui est encore une fois spécial de Galileo par rapport aux autres systèmes, pas seulement GPS, mais aussi le chinois Beidou ou le russe GLONASS, c'est qu'effectivement, on a pas seulement des performances accrues en ce qui concerne position, navigation and timing, le positionnement, la navigation et la temporisation, mais aussi on offre une position accrue, donc jusqu'aux 20 cm. D'abord, on offre des systèmes tout à fait spécifiques qui sont uniques au monde, comme c'est le service de search and rescue qui assiste les personnes en détresse. Et naturellement, on offre des services d'une façon tout à fait gratuite et dans le monde entier. Donc le système est tout à fait opérationnel maintenant, pas seulement en Algérie, mais partout dans le monde. Le système EGNOS, par contre, c'est un autre système satellitaire, donc il s'agit d'une autre constellation satellitaire. Les fonctionnements et les objectifs sont tout à fait différents. Donc, le EGNOS, il s'agit en fait de ce qu'on appelle un SBAS, donc un Satellite Based Augmentation System, c'est-à-dire c'est un système satellitaire qui donne plus de précision et qui prouve que le signal provenant du GPS est dans le futur de Galileo est la correcte et véritable. Donc, il s'agit d'un système vraiment critique pour certains secteurs, comme par exemple le secteur du transport aérien. Ce qui est important, c'est, vous voyez, la retombée économique de ces deux systèmes est vraiment vaste, pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Next slide, please. Copernicus, c'est encore une fois la troisième grande, ou la première, je dirais, peut-être parce qu'il est vraiment connu partout. Copernicus est vraiment un système satellitaire différent à Galileo EGNOS. C'est un système qui fonctionne, qui ne donne pas des signaux, mais par contre qui donne accès, qui donne des données. Des données. Donc, on parle du système qui donne la plus grande quantité de données satellitaires au monde, donc on parle de 20 terabytes par jour, et aussi naturellement
Comme dans le cas de Galileo, c'est un système satellitaire qui n'est pas seulement composé par la constellation elle-même, mais qui est entouré, si je peux dire, par un écosystème qui offre des services partout dans le monde, comme Galileo, et des services qui sont tout à fait gratuits et donnés d'une façon complète. Donc, toutes les données qui sont disponibles à travers de la constellation Copernicus sont disponibles partout dans le monde et naturellement aussi dans l'Algérie. Et aussi, encore une fois, on voit clairement la retombée économique que ce système a donnée et qu'on verra tout au long du webinaire. Next slide, please. Bon, il y a, à part de ces trois sous-programmes du programme spatial européen, il y a deux composants aussi importants, mais qui, par leur nature à eux propres, sont pas touchés, si je peux dire, par l'action globale. Il s'agit de ce qu'on dit en anglais, le Space Situational Awareness. Donc, c'est une composante du programme spatial qui mène sur la surveillance et la protection des actifs spatiaux. Donc, le SST fournit déjà des services d'évitement des collisions à plus de 140 satellites européens. Next slide, please. La dernière composante du programme spatial européen, c'est ce qu'on appelle sous l'acronyme de GOVSATCOM. Donc, la communication gouvernementale par satellite. Et l'objectif de cette composante, en fait, c'est de fournir aux acteurs en charge de la sécurité un service satellitaire de communication fiable, sécurisé et rentable. Donc, en mettant en commun les capacités des différents États membres. Next slide, please. Next slide, please. Bon, et on arrive vers la fin. En fait, l'action globale sur l'espace, dont Andreas Becker va parler un tout petit peu en détail à la fin de ce webinaire. En fait, on a déjà parlé avec un peu du contexte. L'action globale se penche sur trois objectifs principaux. Le premier, bien évidemment, c'est promouvoir le programme spatial de l'Union européenne dans le monde entier. Donc, on ne vise pas seulement l'Algérie ni le nord de l'Afrique, on vise les cinq continents partout dans le monde, plus de 40 pays. Et voilà. Et il s'agit, comme je disais au début, de faciliter l'adoption par les marchés de services et des produits qui sont basés sur la spécificité de Copernicus, Galileo et EGNOS. En deuxième lieu, on veut faciliter l'internationalisation, excusez-moi, du secteur spatial européen. Donc, il s'agit notamment d'aider aux entreprises et des autres acteurs d'ailleurs européens qui sont sur le marché spatial de chercher des partenaires en dehors de l'Europe. Et ça nous mène au troisième objectif de l'action qui est la facilitation des opportunités commerciales concrètes pour le secteur spatial dans ces 40 pays que je mentionnais tout à l'heure. Next slide, please. Et voilà, on y arrive à la fin. Non, voilà,
On y arrive. C'est intéressant de voir le lien, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, c'est très intéressant. Non, non. Pour que nos auditeurs puissent voir les pages web, que c'est très important. Non, c'est la next slide, please. Voilà. Et voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous encourage vivement de consulter régulièrement la page de EU Global Space pour voir tous les événements, tous les différents aperçus, les informations techniques détaillées, etc. qui vont apparaître et qui pourront ouvrir des nouvelles opportunités de coopération dans le domaine spatial aux entités algériennes qui les souhaitent avec des contreparties européennes. Merci beaucoup. Je passe la parole à Andreas. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Louise, pour cet aperçu du programme spatial de l'Union européenne et aussi d'avoir expliqué le contexte dans lequel se déroule ce webinaire. J'invite tous nos participants à poser vos questions dans le chat que vous trouvez en bas à droite de votre écran. Vous pouvez écrire vos questions là. Et après la prochaine intervention, on fera une séance questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Et je rappelle également que vous avez la possibilité d'utiliser l'interprétation si vous cliquez en bas à gauche sur le globe, puisque notre prochaine intervention sera en anglais et elle sera donnée par Madame Maria Mota Rodrigo de EUSPA qui est l'agence de l'Union européenne pour le programme spatial. Et Maria va nous faire part des évolutions actuelles et prévues de deux composantes du programme spatial européen, notamment EGNOS et Galileo. Et aussi, elle va nous proposer un examen détaillé des possibilités d'application dans les secteurs de l'agriculture. Donc, Maria, à vous pour 20 minutes. Et je rappelle de bien vouloir parler lentement, si possible, pour nos interprètes. Merci. Maxi, thank you very much, Andreas, and good morning to everyone. Today we are going to talk, or we are going to present Galileo and EGNOS, explain a little bit the technical characteristics, and then we will move on to the potential applications and applications in agriculture. Next slide, please. And next one. First of all, I would like to briefly introduce what is EUSPA. EUSPA is the European Union Agency for the Space Programme, and it is an agency responsible for the development, the exploitation, and the market development of the different space programs that Luis has mentioned in his presentation before: Galileo, EGNOS, Copernicus for governmental satellite communications. I mean, sorry, GovSatCom for governmental satellite communications, Copernicus for the Earth observation, and other initiatives related to space situational awareness. We are based in Prague, in the Czech Republic, but we have facilities in different centers across Europe, in line with the space ground, European space ground infrastructure. Next slide, please. So let's start with the details and explanation of the space programs. Galileo is a global navigation satellite system. It is global because it provides global coverage. A user in any place of the world is able to receive the Galileo satellite signals. Navigation because it allows positioning. A user with a GNSS receiver that gets the Galileo signal is able to compute his or her position. And also his time reference. Satellite, because it is based on a satellite constellation that provides the signals. And system, because apart from the satellite constellation, there are other components that complete this system. There's a ground infrastructure, ground centers, and other ground infrastructure that complement the system, what we call the ground segment. And also we have the user receivers, what we call the user segment as well.
Next slide, please. We're going to go through some of the particular Galileo characteristics or the Galileo differentiators that make it different from other existing GNSS. Galileo provides a modern signal in multi-frequency with different frequencies, what makes Galileo more robust to multipath effects. We move to the next slide. We will go through these four particular characteristics in the next slides. These particular characteristics, the transmission in different frequencies, makes the user able to mitigate multipath errors and makes the performance of provided by Galileo satellite signals even better. And possible in different scenarios that are very, very demanding, like urban canyons and so on. Next slide, please. Apart from the characteristics of the signal of the open service, the Galileo open service is already in operation since 2016, providing very good performance based on the characteristics of the signals I explained before. But in addition to this good, very good performance, to this open service already in operation, we're going to provide an additional feature, which is the navigation message authentication. This is going to provide additional robustness to the Galileo signals, and it's going to protect against spoofing events, what we call spoofing events, which are intentional interference events. This feature is currently under validation and will be in operation next year in 2023. And it's going to, with a minor upgrade in the current open service receiver, that will go into, they are going to read the navigation messages and decode them with public keys. And the users are going to benefit from this additional robustness. Next slide, please. In addition to this robustness, Galileo is the only constellation that is going to provide a high accuracy service globally and free of charge. This service is also the high accuracy service is also in the validation phase and will become operational next year, 2023. This service is going to provide PPP corrections to the users, so they are going to be able to compute their position with an accuracy close to up to 20 centimeters in the horizontal plane and 40 centimeters in the vertical plane. This is a very, very good accuracy that provided with a global coverage, as I said, that is going to enable multiple applications in different market segments. Next slide, please. And in addition to the navigation message authentication, Galileo will also provide satellite signal authentication. This is what we call the signal authentication service that also will become operation in the future, and is going to complement and to add an additional layer of robustness to the Galileo signal and the Galileo open service. Before I move on to the next program, I would like to say that all the Galileo services are provided free of charge, that the Galileo system, it's under civilian control, in contrast with two other GNSS that are under military control, and that Galileo is interoperable with the other existing GNSS. So Galileo could be used standalone, but it would be also the Galileo satellite signals can be used in combination with the GPS signals, for example. Next slide, please. Regarding the global navigation satellite systems, we have to be aware that the signals are affected by different factors that have to be corrected before getting a very accurate position. This is going to what the high accuracy service Galileo is going to do, provide corrections to these factors. But before we have this Galileo high accuracy service in operation, different techniques have been traditionally used to mitigate these factors. And one of them is the satellite-based augmentation systems. One of them is the European one, which is EGNOS, as Luis mentioned before. And these satellite-based augmentation systems provide corrections to the satellite ephemeris errors, the satellite clock errors, and they also provide information to correct the ionospheric delay,
And in addition to this, the SBAS compatible receivers are able to compensate or to mitigate the tropospheric delay, and also they smooth the receiver error and the receiver noise. Or with all these corrections, the user is able to compute its position with an accuracy close to 1 meter, with using this satellite-based augmentation systems as ECNOS. Next slide, please. So let's say that ECNOS is the European SBAS, and that currently improves or augments GPS. In the future, it will augment also Galileo. Next slide, please. How does Galileo work? Well, Galileo, it's based in a network of RIMS stations. These RIMS stations get receive the GPS signals and send all this information to a mission control center. This center, based on this information, computes the corrections to be applied to each of the GPS satellites, and also integrity information, and provides this information to a geostationary satellite that forwards the corrections and the integrity information to the users, so that the users are able to correct the initial position computed with GPS to a very improved position. ECNOS provides improved accuracy close to 1 meter, as I said, 2-3 meters, but in real scenarios, it is sometimes is close to 1 meter. And it also provides integrity. Integrity is the measure of the trust that can be placed in the position, in the information of position that you are computing. This is very important in safety critical applications in which the life of the people is at risk, for example, aviation and other transport domains. So ECNOS is an enabler of different critical, very important critical safety critical applications. Next slide, please. ECNOS provides three different services: the open service, which is in operation since 2009, and it provides improved accuracy to different users across different market segments, agriculture, maritime, road, and so on. The safety of life service, which is in operation since 2011, and which was designed to comply with the stringent requirements coming from the aviation domain. And the users, with a ECNOS certified receiver are able to perform a LPV landing approaches with the safety of life service, and it offers guarantees. And ECNOS also provides the ECNOS the data access service, which is the provision of the ECNOS information, the ECNOS messages through internet, which is very useful for other different applications. Next slide, please. As ECNOS, the ECNOS corrections are sent using a geostationary satellite. The geostationary satellite it appears to be in the same position when seen from the Earth surface. So the coverage provided by the ECNOS geostationary satellites is centered in Europe, and it also provides coverage to the north of Africa. Currently, ECNOS, as I said before, only augments GPS, but the next version, ECNOS V3, which is already under development, will augment also Galileo and will broadcast dual frequency corrections. Next slide, please. So now we are moving on to the applications. There are many different applications that benefit from the use of Galileo and ECNOS across different market segments. Next slide, please. Before we move on to the agriculture particular applications, particular examples, I would like to say that I would like to mention that the aviation is the traditional or the transport segment that has traditionally benefited from the use of GNSS for the optimization of flight routes, saving fuel, reducing the emissions, and also reducing the noise impact. And lately, the drones is also a segment that is growing very fast is using GNSS for the development of different drones applications. In the slide there, you can see that in terms of implementation, there are more than 400 European airports that they already operate with ECNOS, with many ECNOS-enabled approach procedures published. Next slide, please.
Together with aviation, there are different transport domains that benefit from the use of ECNOS and Galileo based on the very high accuracy of Galileo and the robustness against multipath and other features provided by Galileo, and also thanks to the very good accuracy provided by ECNOS and the integrity. There are different many receiver models and manufacturers in maritime that already counting on ECNOS and Galileo for their devices. In railway, Genesis is very important in non-safety related applications. It's going to be included also in future safety related applications, and this is going to increase the railway network capacity. And in road, there are many different applications that already rely on GNSS. There are different, more than 15 million cars already compatible with Galileo for the emergency calling service. There are different six different brands that are already providing autonomous cars with up to level 4 of autonomy with Galileo. And there are different applications like electronic tolling and many others that rely on Galileo and ECNOS for their optimization and for their implementation. Next slide, please. Now, finally, move on to explain a little bit the agriculture applications enabled by GNSS, by Galileo and ECNOS. The agriculture segment seems to be a very traditional one, but in contrast, the use of GNSS technologies and the latest trends are up to date, making the management of the fields more efficient. Since in the 90s, we have been seeing the growth of precision agriculture applications that they rely on GNSS for the guidance of the machinery, for yield monitoring using particular sensors, for the variable application of different products in the fields, and also the data management of the fields of the grounds. We are moving on to the digital farming and to more complex applications that rely on hybrid solutions that are using GNSS in combination with other technologies like Earth observation and Internet of Things, 5G, and so on, to provide an improvement in the initial applications and more modern applications that improve the efficiency and in the management of the fields. Next slide, please. This is just a pictures to give you an idea of the importance of the use of these technologies in this particular market segment. What if we didn't have satellites today? How we will work? Next slide, please. Here in this slide, I wanted to explain which are the accuracy required by different farming applications. As you can see, there are very many demanding applications that require accuracy below 5 meters or close to 1 meter. This is only possible with technologies with very good performance as the one provided by Galileo and ECNOS. Next slide, please. And the objective and the future and the future of the agriculture and the farming is to combine many different technologies, including GNSS and also Earth observation technologies, to improve the field management. The farmer is not going to be anymore in the center of the picture. The farmer is going to be able to monitor the fields and to manage all these data remotely based on all these and all these technologies. Next slide, please. The objective is to improve the field management, to help the farmers to improve the field management, to help them to use less fuel, less water, less pesticides, to cause less emissions, and at the same time to improve the efficiency, to improve the sustainability, and to increase the production of the fields with the minimum costs. Next slide, please. And this is the end of the presentation. I hope I
I transmitted or I was able to explain all the advantages of the use of GNSS technologies in the in different market segments, in particular in the agriculture domain, and I'm available to solve any doubts, questions, or to provide more information in any particular topic regarding GNSS. Andreas, thank you very much. Merci, merci beaucoup, Maria, pour ces informations importantes sur l'état d'avancement des applications Galileo et ECNOS. Et de nous avoir donné également un aperçu des possibilités qui y sont associées. Nous allons maintenant passer à notre première séance questions-réponses. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la fonctionnalité chat en bas à droite de votre écran. Et nous ferons plaisir d'y répondre. Maintenant, peut-être pour ouvrir cette séance de questions-réponses, Maria, si vous comparez EGNSS à d'autres GNSS pour l'agriculture ou pour le transport, quelle est la valeur ajoutée de EGNSS? Je ne sais pas si vous suivez l'interprétation ou si je répète en anglais. Could you repeat in English, Andreas? Okay. I try to follow French, but sometimes I miss some words. So, sure. What would you say, Maria, is the added value of EGNSS when you compare it to other GNSS in the case specifically of agriculture and maybe also transport? Yes, the added value of Galileo emphasizing the information provided at the very beginning of the presentation, it's the robustness and the trust you can place in the Galileo services, particular the protection against spoofing attacks. These in particular applications in the transport domain, for example, which are regulated domains in which the lives of the people is at risk. You have to trust to have the security. The you have to guarantee the safety of the people. So this robustness provided by Galileo, not only against multipath but against spoofing intentional interference attacks, is going to be very very useful. Is going to be critical, for example, not only in autonomous cars in the future, but for electronic tolling, to have a trust on the position and on the time driving and the time, or another liability critical applications where the trust on the position on the driving time is key to invoice the cars or the trucks and so on. This is going to be key. And EGNOS as other SBAS, it's the integrity provided. Enables safety, also safety critical applications as in the aviation domain, and also the very good accuracy, close to 1 meter, enables multiple applications in the agriculture segment. For example, there are many manufacturers that already include EGNOS in their devices sold in the agriculture domain for the guidance of the automatic guidance of the machinery, or to monitor the different parameters in the ground with different sensors, or even using drones enabled with EGNOS and also Galileo to monitor large fields. This is the a summary of the added value. Merci Maria. Et côté pratique pour nos participants en Algérie, comment je peux faire pratiquement pour commencer à utiliser EGNSS pour l'agriculture et le transport? So practically speaking, for our Algerian participants and stakeholders, how can they start using EGNSS services for agriculture and transport? There are many devices already enabled with Galileo and EGNOS in the market. There are many manufacturers that already include these technologies, and that these devices are able to decode the signal and to benefit from the added value provided from them. So the only thing they have to do is to get an appropriate receiver for the use they want to do it. I mean, in agriculture there are many devices, and if I may, I can mention that we maintain the web page usegalileo.eu. I can write it afterwards in the chat, with a list of all the
all the existing devices in the market from different manufacturers that already use Galileo, and we have classified them by market segments. So if you want a device for agriculture, you can go into this web page and select the appropriate one for your needs. In any case, I'm pretty sure that perhaps all of us in our mobile phones were able to receive the Galileo signal, and we didn't know that before this webinar. There are different type of applications depending on the need. Perhaps you only need to a tablet enabled with Galileo and to use it to monitor different particular parameters in agriculture, or you only need a navigation device for your car, or a more evolved application for fleet management. There are different manufacturers and different companies that they are already offering this solution. It's only look for the good one for your needs. Très bien, merci. Et sur base de ce que vous venez de dire, Maria, peut-être quelques participants connaissent déjà un peu EGNOS et savent qu'il va y avoir une nouvelle version, version 3. Est-ce que ça va avoir des incidences sur l'accès au service EGNOS, notamment en termes de récepteurs? For those of our participants that are already familiar with EGNOS and know that there is a new generation coming up, version 3, will there be any changes in terms of access and receivers? Yes, the EGNOS V3, which is coming, is in the short future, is going to become operational. It's under development. It's going to provide it's going to guarantee the legacy services. So the services I presented today, they are going to still be provided to the different users. So the users that are already equipped with an EGNOS V2 receiver, they have to be sure that they are going to still have the services, and they could still benefit from the use of Galileo, of EGNOS V2, sorry. In order to benefit from the additional benefits provided or added value provided by EGNOS V3, it's on the user receivers upgrade. Depending on each manufacturer, it could be a minor upgrade, but the user receiver should be upgraded in order to be able to decode the navigation, the EGNOS V3 navigation message, to benefit from the benefits and the added value provided by EGNOS V3. Depending on each manufacturer, it could be more or less complicated, but I guess it shouldn't be more than minor upgrade on the EGNOS, current EGNOS V2 receivers. Merci Maria. Je vois que pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, donc je propose qu'on passe à la séance suivante. Je vous rappelle que tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions, peu importe la séance sur laquelle vos questions portent. On va essayer de répondre à toutes les questions. Et maintenant, on va se tourner vers une autre composante du programme spatial européen, à savoir Copernicus, avec la présentation de M. Michel Massard, qui, comme M. Luis Cuervo, est un représentant de la Commission européenne, Direction générale défi, Industrie de la Défense et de l'Espace, et qui va explorer un peu plus en détail les opportunités qui existent concernant l'utilisation des données Copernicus pour le secteur agricole. Michel, vous avez 20 minutes et je rappelle encore une fois de bien vouloir parler lentement pour l'interprétation, et pour les participants, vous avez la possibilité, en cliquant sur le globe en bas à gauche, de changer la langue de la présentation, français ou anglais. Merci. À vous, Michel, pour 20 minutes. Merci Andreas. Donc, si on peut lancer les slides. Donc, comme Andreas l'a mentionné, j'appartiens à la Commission européenne, à la Direction générale défi. Next slide. Oui, je ne vais pas revenir sur... Lui, ça a déjà présenté. Je ne vais pas revenir sur cette partie-là. Donc, Copernicus est le programme clé et phare d'observation de la Terre de l'Union européenne. Donc l'objectif, c'est de suivre la Terre et surtout son environnement. Et comme Luis l'a déjà mentionné, on a adopté une politique ouverte d'accès aux données. Ça veut dire que toutes ces données sont gratuites et ouvertes à tous. Toutes les données des satellites et aussi les données des services
développé dans le cadre de Copernicus. Et comme Luis l'a aussi mentionné, c'est un outil de croissance, ce n'est pas une opération philanthropique du côté de la Commission européenne, mais on espère créer de la croissance, créer des emplois à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale avec ce programme. Slide suivant. Alors, au centre de ce programme, il y a les services Copernicus qui délivrent une information de base, et cette information de base, elle se base effectivement sur des données satellitaires, sur nos propres satellites, mais aussi sur d'autres contributing missions, mais essentiellement sur nos propres satellites. Ces données de base sont également utilisées par le secteur privé pour développer des applications très spécifiques et beaucoup plus spécifiques que nos informations de base, de nos services de base. Slide suivant. Alors voilà nos satellites actuellement en vol. On a 8 satellites en vol et dans le domaine agricole, ce sont essentiellement les satellites Sentinel 1, Sentinel 2 et Sentinel 3. Sentinel 1, ce sont 2 satellites qui sont actuellement en vol. Ce sont des satellites radar, ça veut dire que c'est des satellites qui peuvent voir à travers les nuages, donc c'est très important. Et c'est des satellites qui fournissent une information tous les 6 jours. Donc tous les 6 jours, ils peuvent observer votre parcelle agricole ou votre surface d'intérêt. Donc vous avez une image radar tous les 6 jours. Donc ça, c'est très important, avec une résolution qui va de 4 à 40 mètres de résolution, donc assez fine. On a Sentinel 2, qui est un satellite optique, qui ne voit donc pas à travers les nuages, mais qui est un satellite qui permet qui est plus facile à interpréter, dont les images sont beaucoup plus faciles à interpréter. C'est un satellite très, très important pour l'agriculture, avec une résolution de 10 mètres, donc qui permet de voir les parcelles, mais également potentiellement à l'intérieur des parcelles, et qui permet avec cela de faire un petit peu de l'agriculture de précision, dirons-nous. Et donc avec une revisite de 5 jours, de manière optimale, avec 2 satellites. Et nous avons Sentinel 3, qui est un satellite un peu plus global, avec une résolution inférieure à 2 jours, avec une résolution de fréquence inférieure à 2 jours, et une résolution spatiale de 300 mètres de manière optimale. Next slide. Alors, toutes ces données sont accessibles à travers des plateformes. Nous avons 4, vous voyez ici sur la gauche, nous avons 4 types de plateformes. Une plateforme qui est accessible pour le public de manière générale. Des plateformes qui sont spécifiques au service Copernicus. Des plateformes qui sont spécifiques aux pays européens, qui sont les collaboratives plateformes. Et puis, nous avons des plateformes qui sont spécifiques dans le cadre d'accords internationaux. Donc, nous concluons des accords internationaux avec certains pays et nous leur donnons un accès privilégié à nos données Sentinel. Ce ne sont pas qu'ils vont avoir des données différentes des autres plateformes, c'est qu'ils vont avoir une vitesse d'accès qui va être un peu améliorée. Donc, ça, c'est très important au niveau international. Et sur la droite, vous voyez aussi un autre type d'accès, ce sont les DIAS, les Data Information Access System. Donc, nous donnons accès à nos données à travers ces DIAS, mais aussi ces DIAS permettent un processing, un traitement de ces données online. Donc, ça, c'est important. C'est une action que nous avons lancée avec le secteur privé. Donc, ce processing online n'est pas gratuit, contrairement aux données, mais il a un petit coût et qui est donc fait en accord avec le service privé. Et nous avons actuellement 5 plateformes DIAS qui sont opérationnelles. Next slide. Oui, le slide suivant. Voilà, donc ce sont les six services Copernicus qui sont actuellement opérationnels. Et je vais vous parler principalement du service terrestre, le service LAND. Next slide. Next. Yes, please. Alors, dans le service LAND, nous avons des activités globales, européennes, locales. Next slide. Je vais essayer d'aller un peu vite sur les slides, donc excusez-moi. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de répondre aux besoins de ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte environnemental européen. Donc, ça, c'est important pour notre politique européenne, mais aussi à l'échelle internationale, de répondre aux Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Et nous avons 4 types d'activités à l'échelle globale. Nous avons la production de variables biophysiques systématiques, la cartographie mondiale de l'occupation du sol, d'une cartographie bien spécifique sur des zones d'intérêt et ensuite la production de mosaïques d'images Sentinel-2. Next slide.
Alors voilà toutes les variables biophysiques que nous produisons dans différents domaines, végétation, énergie, eau, cryosphère, tout ce qui est lié à la neige ou à la glace. Et donc nous avons 21 types de produits qui sont produits tous les 10 jours à l'échelle mondiale avec une résolution qui va de 100 mètres à 1 km. Donc voilà toutes les... Et il y a plus de 80 collections de données qui sont disponibles online. Next slide. Alors ici, la dissémination, nous avons bien sûr ces données qui sont disponibles sur Internet, mais aussi nous avons un service, Eumedcast, avec Eumedsat, qui broadcast ces données directement vers des stations de réception. Actuellement, nous avons par exemple plus de 400 stations de réception en Afrique, dans différentes institutions, qui reçoivent directement nos données sans passer par Internet. Next slide. Alors voilà, ces données sont complètement documentées dans la librairie. Donc il y a, une documentation de l'algorithme, il y a une documentation de l'utilisation des données, du produit, et il y a aussi une documentation sur la validation des produits. Ça, c'est très important pour les applications opérationnelles. Next slide. Alors voilà quelques exemples du FEPAR, du Leaf Area Index, de l'indice de végétation NDVI. Alors, next slide, je vais vous donner quelques applications. Alors, les applications, c'est principalement au niveau agriculture, le suivi des productions agricoles, l'estimation de production agricole, des estimations de biomasse pour les pâturages, dans le domaine climatique également, les estimations de sécheresse. Donc, toutes ces données sont utilisées dans ce cadre-là. Next slide. Voilà, je reprends. Et donc ici, vous voyez un certain nombre de bulletins qui utilisent nos données, des bulletins qui sont produits par la FAO, des bulletins qui sont utilisés par le World Food Program, le programme alimentaire mondial, mais aussi nos collègues chinois avec le Crop Watch Bulletin qui utilisent nos données pour faire des estimations de production à l'échelle nationale et à l'échelle continentale. Next slide. Alors voici une application un peu particulière pour le suivi du café en Amérique centrale, l'utilisation de nos produits d'humidité des sols, de surface, mais aussi index d'humidité des sols, accompagné à un NDVI, permet d'estimer les productions de café. Ici, c'est au Guatemala. Next slide. Alors ici aussi une application d'un indice qu'on a construit et qu'on produit qui est le Greenness Product qui permet d'évaluer l'émergence de végétation ici dans la corne de l'Afrique et ça permet d'estimer les potentialités de développement de locustes, de criquets pèlerins qui sont bien sûr très ravageurs pour l'agriculture et donc c'est un service que nous donnons à la FAO et qui est disponible aussi en ligne. Next slide. Alors ici, c'est dans le domaine de l'eau, mais l'eau est très importante pour l'agriculture, bien entendu. Donc nous produisons un suivi des surfaces en eau à l'échelle mondiale. Nous suivons par exemple la qualité de l'eau de plus de 4000 lacs. Ça représente un peu plus de 200 lacs au niveau africain dont nous suivons la qualité de l'eau de manière régulière tous les 10 jours. Nous suivons aussi les hauteurs d'eau, ça c'est lié à la sécheresse et la disponibilité en eau, ainsi que la température des eaux de surface de tous ces lacs. Next slide. Ici c'est un exemple au Kenya, donc pour le lac Turkana dans le nord du Kenya, et c'est lié au développement d'un barrage en Éthiopie, sur la rivière Omo, et ça a un impact sur le lac Turkana, avec une diminution des hauteurs d'eau du lac Turkana et une diminution de la qualité des eaux du lac Turkana. Et donc, c'est en accord avec le gouvernement kényan qui a demandé, enfin, qui utilise ces données pour avoir un suivi de la qualité des eaux du lac. Next slide. Alors voilà, donc on produit actuellement l'information, mais on la produit avec des données qui sont anciennes également. Donc vous avez un historique des informations qui va jusque aux années avant les années 2000, puisque nous avions commencé avec Spot Végétation, nous sommes passés à Probavier et maintenant nous sommes avec notre satellite Sentinel-3. Next slide. Et donc nous faisons aussi de la cartographie, comme je vous l'ai dit, d'occupation du sol à l'échelle mondiale. Actuellement, depuis 2015, nous faisons ça, actuellement avec une résolution de 100 mètres.
mais nous allons passer à 10 mètres de résolution, ça c'est très important, 23 classes d'occupation du sol avec une précision supérieure à 80%. Next slide. Et ça, next slide, c'est une application ici dans le cadre de la FAO. Ah, slide précédent, c'est une application dans le cadre de la FAO que je voulais vous montrer. C'est la productivité en eau de certaines surfaces et de surfaces d'irrigation. Donc, nos cartes d'occupation du sol sont utilisées par la FAO pour cette productivité en eau. Next slide. Et le next slide, c'est cet outil que je vous disais que nous avions mis en ligne. Bon, OK. Nous avions mis en ligne pour essayer de produire des mosaïques de ces données Sentinel-2. Comme vous le savez, les données Sentinel-2 sont découpées par scène. Ça ne correspond pas toujours nécessairement à votre zone d'intérêt. Donc, c'est pourquoi nous avons mis cet outil en ligne. Vous pouvez définir n'importe quelle zone d'intérêt et l'outil fait une composée de toutes les scènes Sentinel-2. L'outil peut faire aussi une composée temporelle, ce qui vous permet d'obtenir des données Sentinel-2 sans nuage. Et ça, c'est très important pour des traitements ultérieurs. Next slide. Alors, un petit focus sur l'agriculture. Vous voyez au centre Sentinel-2 avec 10 mètres de résolution. À droite, vous voyez Probavé avec 100 mètres. Vous voyez qu'on ne voit pas très bien les champs. Et puis à gauche, vous voyez un satellite commercial, From Digital Globe, avec 2 mètres de résolution. Effectivement, le 2 mètres de résolution, on voit plus nettement les champs. Donc, c'est un exemple au Mali. Mais ces données sont payantes. Donc, nos données Sentinel-2 gratuites, nous voyons quand même très bien les champs. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Next slide. Et voyez qu'on peut discriminer les différentes cultures, depuis l'arachide jusqu'au mil, jusqu'au maïs, coton. Et donc, ça, c'est une analyse multitemporelle sur le Mali, où on peut faire la cartographie des champs et de l'occupation du sol et des différents types agricoles de cette région. Next slide. C'est effectivement une analyse multitemporelle et pour ces différentes cultures, nous obtenons plus de 80% de précision, un petit peu moins pour certaines cultures comme le sorghum, mais pour le coton, on est au-delà de 90% de bonnes estimations agricoles. Next slide. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc, voyons ici, coupler cette estimation de surface avec des estimations de rendement en utilisant Sentinel-2 nous permet de faire des estimations de production au niveau village, ici, pour certaines zones du Mali. Next slide. On peut suivre, évidemment, comme je vous le disais, nous avions une répétitivité des observations qui est très importante avec Sentinel-1, avec Sentinel-2, ce qui nous permet de suivre l'émergence des cultures, et notamment ici dans le cadre du maïs, et même au niveau parcellaire, et ça c'est un exemple en Afrique du Sud, où on peut suivre la différente émergence du maïs dans différentes régions, et on voit qu'il y a vraiment un gradient ici, est-ouest, dans l'émergence des cultures. Next slide. On a un support, bien entendu, à GeoGlam. Je ne sais pas si vous êtes familier avec GeoGlam. C'est l'opération G20 FAO qui fait le suivi de la production agricole à l'échelle mondiale. Next slide. Et dans ce cadre-là, nous suivrons actuellement particulièrement 3 pays africains, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, et nous produisons presque des statistiques agricoles sur l'occupation du sol et des surfaces cultivées pour les différentes cultures dans ces 3 différents pays. Donc, c'est une assistante à ces pays et à ces services de statistiques agricoles. Next slide. Voilà, nous faisons évidemment, donc je vous ai parlé d'exemples africains et un peu d'Amérique centrale, nous faisons exactement la même chose en Europe. Ici, dans un environnement qui est un peu plus structuré, puisque ce sont des cultures aux Pays-Bas. Et vous voyez, nous faisons en fin de la saison, nous faisons une estimation des cultures et des superficies agricoles. Next slide. Nous suivons évidemment aussi l'évolution des pâturages au niveau européen, et particulièrement les opérations dans ces pâturages. C'est par exemple des opérations de fauche. Et nous pouvons identifier, donc vous voyez sur le schéma à droite, un NDVI, nous identifions clairement les opérations de fauche et les différentes activités dans ces pâturages. Next slide. Ça nous permet aussi de suivre la phénologie, un NDVI, ainsi de voir les réductions de durée
d'évolution agricole et d'évolution des cultures. Et donc, ça, c'est l'impact climatique, mais ça, c'est plus des opérations de fond. Next slide. Nous avons aussi développé une plateforme d'aide aux agriculteurs au niveau européen. C'est dans le cadre de la politique agricole commune où nous couplons donc nos données satellitaires à très haute résolution pour faire plutôt de l'agriculture de précision. Et ça, c'est couplé directement, évidemment, avec les informations de navigation fournies par Galileo et ses systèmes GNSS. Et ça, c'est un appui direct aux agriculteurs. Next slide. Alors voilà, nous avons actuellement 40 000 utilisateurs dans les différents continents et différents utilisateurs. Ça va du citoyen jusqu'aux institutions publiques, institutions internationales, mais aussi le secteur privé, bien entendu. Next slide. Nous avons donc, je viens de vous parler du service LAND. Rapidement, le service Urgence qui a développé un système d'observation sur la sécheresse et à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. Donc, on peut voir les risques de sécheresse, faire le suivi de ces risques de sécheresse. Et donc, ce sont des plateformes qui sont en ligne et donc que vous pouvez accéder facilement. Next slide. Alors, au niveau climatique aussi, nous avons un service climatique qui produit évidemment des projections à long terme, des projections climatiques, mais aussi des projections saisonnières. Et ça, c'est très important quand vous avez des systèmes de modeling pour faire de la prévision de rendement en fin de saison. Vous pouvez consulter ce système avec des estimations saisonnières de pluviométrie et de température, et ces estimations peuvent être intégrées dans vos systèmes de prévision agricole pour voir en fin de saison ce que peuvent donner vos rendements. Donc ça, c'est assez nouveau, ces observations saisonnières dans le cadre du système du climat. Mais donc, je vous invite à consulter, c'est très important. Next slide. Voilà, alors, je vais terminer avec le lien avec notre programme Frères ou Sœurs, qui est GMS en Africa. Donc, c'est le pendant de Copernicus, mais en Afrique, qui est financé par la Commission européenne et qui est géré par la Commission de l'Union africaine. Donc, la première phase du programme a été lancée en 2018. Et maintenant, nous venons de signer la deuxième phase du programme. Next slide. Alors, ce programme, comme je vous le dis, il est géré par l'Union africaine et il touche toutes les régions africaines. Donc ça, c'est une référence à la phase 1. Il touche toutes les régions africaines, dont l'Afrique du Nord, bien entendu. Il est géré, le leader en Afrique du Nord, c'est l'Observatoire du Sahara et du Sahel qui est basé à Tunis. Mais il y a des activités, bien entendu, dans tous les pays d'Afrique du Nord également. Next slide. Et donc voilà la liste des activités qui sont menées dans les différentes régions. Il y a des activités qui sont liées à l'eau, mais aussi liées à l'agriculture, aux zones humides, à l'érosion, à la dégradation des sols, à la forêt. Donc voilà, vous avez. Mais ça, c'est durant la phase 1. La phase 2 sera assez similaire, mais avec quelques petits regroupements d'activités, mais sera assez similaire. Next slide. Voilà, nous avons signé un accord de collaboration pour un échange de nos données satellitaires avec GMS en Africa, bien entendu. Next slide, et c'est le slide, et je termine là pour faire de nouveau un lien avec GNSS. Donc, dans le cadre de GMS en Africa, nous produisons des données sur la hauteur d'eau, et ça, ce sont les hauteurs d'eau du bassin du Congo, pour les rivières du bassin du Congo, sur le fleuve Congo, mais sur le fleuve Ubangi également. Et ces données de hauteur d'eau sont combinées avec les données GNSS pour améliorer la navigation et pour rendre cette navigation un peu plus sécurisée sur les différents fleuves d'Afrique centrale. Et voilà, et je pense que c'est le dernier slide. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Michel. Merci pour d'avoir montré de manière très très concrète comment les données Copernicus peuvent être utilisées pour l'agriculture.
Et nous allons passer à une autre session questions-réponses. Donc, je vous rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions dans le chat en bas à droite de votre écran. On va répondre à toutes vos questions. Et peut-être pour ouvrir cette séance questions-réponses, une question pour Michel ou Maria ou les deux. Quels sont les avantages de combiner les données localisation de Galileo et GNOS avec les données d'observation terrestre de Copernicus pour l'agriculture et le transport? Je pose la question également en anglais. What are the benefits of combining positioning data from Galileo and EGNOS with Earth observation data from Copernicus for agriculture and transport? Bon, comme je suis en ligne, je vais commencer. En fait, les deux systèmes sont totalement complémentaires et c'est vraiment une joie de participer avec la Commission européenne à l'intégration de ces deux systèmes. En fait, si on veut schématiser, l'observation de la Terre comme Copernicus vous explique ce qu'il y a autour de vous. Et EGNOS au GNSS vous dit où vous êtes. Et donc ça, c'est la complémentarité. Et donc, pour l'agriculture de précision, c'est essentiel. Vous vous baladez dans une image Copernicus grâce à votre produit, grâce à votre information GNSS. Et donc, vous savez exactement où vous êtes et vous savez où vous devez intervenir. Et ça, c'est exactement la même chose pour la navigation. Vous avez une image de fond, vous avez votre environnement et vous vous baladez sous votre environnement. Et donc, vous savez sur quoi vous allez tomber, ce que vous allez devoir faire comme action, parce que vous voyez l'image et l'information de navigation vous dit où vous êtes exactement. Donc, les deux sont totalement complémentaires et ça permet des applications, par exemple, l'agriculture de précision, ça permet de limiter l'utilisation des pesticides, comme Maria le disait, ça permet de limiter pour respecter l'environnement, ça permet d'améliorer la productivité parce qu'il faut mettre des pesticides et irriguer là où il y a des problèmes. Donc, et la navigation, comme je mentionnais, c'est une navigation beaucoup plus sécurisée puisque vous savez où se trouvent les bancs de sable grâce à l'information satellitaire et vous savez où vous êtes si vous êtes sur le banc de sable ou à côté grâce à GNSS. Très bien. Très bien, merci Michel. Je ne sais pas, Maria, si vous voulez complémenter. Yes, I thank you. I agree with Michel that these two technologies, the two programs are GNSS and Copernicus, and Earth observation technologies are complementary. There are many synergies among these two technologies that can be provide added value in the transport segment and also in agriculture. For example, as Michel was explaining, with satellite images, you can get information of very wide area of particular parameters you want to analyze, and it could help to identify which particular area you want to focus on. Then once you have identified that particular area, for example, for agriculture, that one that presents a different characteristics regarding the parameters you want to measure, I don't know, the type of the type of ground, or if you detect there could be a plague or a disease in the plants, and then you can go to that particular area with precise positioning thanks to Galileo and EGNOS, and then with different sensors particularly located in different points, you can monitor with more detail that particular area you want to analyze or to control or to monitor. So there are different applications, or even with drones, with Earth observation technology, you identify the wide area within a wide area, a particular area you want to analyze, and then you focus and you send a drone navigating with Galileo and EGNOS to that particular area, and then you identify which are the precise points you want to focus on. These are examples of applications that could exploit and could use the synergies between Copernicus and GNSS. Merci Maria et Michel pour ces réponses très très concrètes.
Et je vois que nous avons quelques questions aussi dans le chat. Une première question de Zabot. Un récepteur GNSS ou Galileo est-il compatible avec les signaux Copernicus ou bien est-ce qu'il faut deux récepteurs complètement séparés? If I want, if you still want, I can answer. There are different systems, so you need different type of devices. It doesn't mean that an application could integrate the both technologies, taking the advantages of Copernicus and then the advantages of GNSS. But there are different technologies, so you need different devices. Copernicus provides satellite images and the navigation satellites provide signals that the user uses to compute its his or her position. So there are different, the signals are different, so the coding is different, so you need different devices. Oui, si je peux me permettre. En fait, sur un ordinateur, par exemple, vous pouvez accéder à Internet et donc vous accédez à votre image Copernicus et votre ordinateur ou votre a peut-être un lien aussi avec une puce qui permet d'avoir du GPS et du géoréférencement et là, il accède à Galileo. Donc, à mon avis, tous les systèmes actuellement permettent d'accès. Nos données sont disponibles à travers Internet, donc vous pouvez les charger sur vos smartphones ou vos ordinateurs. Et pour peu qu'il y ait une puce GNSS, vous accédez aux données Galileo, donc c'est facile, les deux sont totalement compatibles. Et la résolution est compatible, dirons-nous, puisque nous sommes à 10 mètres de résolution ou même mieux pour Sentinel-1 avec nos données Copernicus et que Galileo est évidemment encore plus précis. Donc les deux sont totalement compatibles. Il n'y a pas de problème. Merci Maria et Michel pour ces réponses. Une autre question très, très concrète pour Michel. Concernant le site web, donc Research and User Support de Copernicus, est-ce qu'il y a un moyen d'accéder de façon illimitée à cette plateforme et les services qu'elle propose? Je ne sais pas si vous avez les informations nécessaires. Malheureusement, je ne pense pas avoir les informations nécessaires. Évidemment, je connais le système. C'est une opération qui a été lancé afin de faciliter l'accès aux données, notamment le lien avec les DIAS, et d'avoir quelque chose d'un peu plus, on appelle ça customisé, pour avoir accès aux données et au processing. Je ne sais pas si cette initiative qui avait été lancée il y a quelques années est toujours financé par la commission, mais je peux me renseigner. Vous pouvez m'envoyer, Monsieur Mansour, vous pouvez m'envoyer un message. Vous avez eu mes coordonnées sur la dernière slide, et je peux me renseigner pour savoir quelles sont les possibilités. Donc, mais je ne peux pas vous donner une réponse directe comme ça. Je ne connais pas le statut de l'initiative pour l'instant. Merci Michel. Et une autre information de ma part à Monsieur Mansour, je vois que sur le lien que vous avez renseigné, il y a aussi un formulaire de contact. Donc en plus de contacter Michel, vous pouvez aussi là poser vos questions dans le formulaire de contact. Peut-être que vous aurez donc la réponse de leur part directement. Une autre question de la part de Imed Gizmi. Est-ce qu'il y a des données satellitaires concernant l'évapotranspiration? Ah, ça, c'est une excellente question. Enfin, non, toutes les questions sont excellentes, mais celle-ci est très importante parce que nous sommes en train de travailler sur le sujet. C'est effectivement un besoin très, très important, je sais, pour la communauté agricole. Nous avons commencé une petite réflexion avec la FAO, mais aussi avec l'Agence spatiale européenne, avec l'ESA, pour essayer de voir la possibilité de développer des données sur l'évapotranspiration qui actuellement sont à une résolution qui n'est pas très adéquate pour les problèmes agricoles et pour les agriculteurs. Donc nous allons essayer d'améliorer cette résolution et développer un produit
qui soient à meilleure résolution et au niveau des champs et qui permettent d'être utiles pour les agriculteurs. Il y a eu des tentatives de l'ESA avec des programmes qui s'appellent Send2ET et le développement d'un logiciel par une société danoise qui est open. La société s'appelle DHI Grass. Je peux vous donner les informations si vous m'envoyez un email également pour avoir accès à ce logiciel qui permet de produire des informations sur l'évapotranspiration à une résolution qui est plus pertinente pour le suivi agricole. Mais nous allons essayer dans le futur, disons dans les 6 mois, de développer un produit dans le cadre Copernicus à ce sujet-là. Merci Michel. Et je vois que nous avons une autre question de la part de Monsieur Mansour concernant le paramètre biophysique des cultures. Michel, est-ce que vous pouvez expliquer à quel niveau de précision on peut obtenir concernant les prévisions de rendement ou de production, ou bien s'il s'agit de biomasse verte? Alors, ces paramètres comme LAI, NDVI, FEPA ou FCOVER, qui sont la famille de paramètres indices de végétation classiques, sont effectivement utilisés pour la production, pour des estimations de production. Donc, c'est le suivi du profil de ces paramètres pour des cultures bien spécifiques qui nous permet d'estimer à la fin de saison, on estime plus ou moins au niveau de la florescence, on a des estimations fiables pour la fin de saison. La floraison, on a des estimations convenables pour la fin de saison. Et ces estimations sont faites en comparant ces profils d'évolution de culture par rapport à des années précédentes et des données statistiques des années précédentes dont nous disposons. Donc, c'est toujours calé par rapport à des productions agricoles estimées dans des années précédentes et des comparaisons de profils d'évolution d'indices de végétation. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là, mais c'est effectivement une variable biophysique qui est assez grossière, mais néanmoins permet d'avoir des bonnes estimations de production agricole. Elles sont d'autant plus meilleures que l'information est agrégée. Au niveau régional, on a des bonnes estimations. Elles sont encore meilleures au niveau national, bien entendu. Au niveau parcellaire, elles sont un peu plus délicates, effectivement. Merci Michel et merci à tous les participants pour vos questions. Pour rester dans le temps, je propose qu'on passe maintenant à notre dernier intervenant. Mais vous pouvez continuer à écrire vos questions dans le chat et on fera un effort de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire qui sera donc après notre prochain intervenant, qui est le docteur Ali Belkhiri, qui est professeur associé à l'École nationale supérieure d'informatique d'Alger et également professeur associé à l'École des hautes études commerciales d'Alger. Et le docteur Belkhiri va nous donner un état des lieux du secteur spatial en Algérie et notamment il va nous éclairer sur l'utilisation des données GNSS dans le pays. Docteur Belkhiri, à vous pour 20 minutes et je vous prie également comme tous les intervenants de parler lentement pour l'interprétation à laquelle vous pouvez avoir accès en cliquant sur le globe en bas à gauche de votre écran. Merci, Dr. Belkhiri. Ok, merci, Andreas. Donc, je salue. Déjà, première question, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Oui. Ah, très bien. Donc, je continue. Donc, je salue donc, les organisateurs et tous les participants donc, à ce webinaire. Je remercie donc, le comité d'organisation de nous donner l'opportunité de parler un petit peu du degré d'évolution donc du secteur spatial en Algérie et des possibilités de partenariat donc avec l'Union européenne dans ce domaine. Next slide, please. Alors, les objectifs de la présentation donc dans le cadre de ce webinaire donc qui est destiné à faire connaître donc les capacités, les technologies et les services donc qui peuvent être offerts par les trois outils et services clés donc, de l'Union européenne, que sont Galileo, Copernicus et Ignos. Donc, l'objectif de ma présentation sera de présenter, donc, dans ce cadre-là, donc,
premièrement, un état des lieux du secteur spatial en Algérie et de parler un peu des différents acteurs qui agissent dans ce secteur. Puis ensuite, je parlerai des GNSS de manière globale et leur utilisation en Algérie. Je parlerai par la suite après d'EGNOS, de son exploitation potentielle en Algérie. Puis ensuite de Copernicus et sa complémentarité avec les satellites algériens. Et enfin, donc, je lancerai peut-être une discussion sur les perspectives de partenariat donc, entre les entreprises algériennes et européennes. Ça, c'est aussi un secteur à développer. Next slide, please. Alors, le plan, rejoindre un peu les objectifs de la présentation. Premièrement, donc, organisation du secteur spatial en Algérie. Deuxièmement, je vais présenter l'agence spatiale, donc, qui est l'élément clé et l'outil clé donc, du développement de cette politique spatiale en Algérie, qui est l'ASAL. Je parlerai des secteurs d'application pour les GNSS, des différents domaines. Je parlerai d'EGNOS en Algérie, de la situation d'EGNOS. Je parlerai ensuite des marchés potentiels, donc pour Galileo, EGNOS et Copernicus en Algérie. Et enfin, je parlerai, comme j'ai dit tout à l'heure, donc des perspectives de développement de partenariats des entreprises algériennes, privées et publiques, et des entreprises européennes. Next slide, please. Alors, l'Algérie, je vais prendre rapidement, donc je n'ai pas parmi des participants, si tout le monde connaît la situation de l'Algérie. Ben, l'Algérie, donc, c'est un pays donc, en Afrique du Nord, donc, qui a une position centrale et géostratégique. C'est le plus grand pays, à la fois d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen, avec donc plus de 2 380 000 km² de superficie, une population donc relativement importante de 45 millions, et donc des frontières terrestres très étendues, donc qui dépassent les 6 000 km. Son produit intérieur brut est de 103 milliards de dollars US, ça se décide en 2021, donc j'ai ramené du FMI. L'Algérie possède le réseau routier le plus dense du continent. Sa longueur est estimée à plus de 180 000 km. Alors, l'agriculture, je suis en train de parler un peu des secteurs clés donc, qui concernent notre webinaire. Il y a d'autres secteurs, évidemment, donc c'est le transport et l'agriculture. Donc, l'agriculture est l'un des secteurs les plus dynamiques en Algérie. Ben, vous avez les chiffres. Ça part donc, dans la valeur ajoutée agricole, dans le PIB, de 10 à 13 %, ben, selon les années et surtout la pluviométrie. L'Algérie est un pays donc, situé dans une zone un peu semi, qui a de la sécheresse souvent. C'est actuellement le cas ces dernières années. La production agricole donc, en Algérie annuelle est estimée à plus de 25 milliards de dollars. Next slide, please. Alors, l'organisation du secteur spatial. Donc, l'Algérie est engagée dans le développement et l'exploitation du secteur spatial depuis très longtemps. Donc, elle a les capacités et elle a les ressources donc, pour se faire depuis de nombreuses années. Alors, en Algérie, il y a trois grandes catégories donc, d'acteurs et de parties prenantes, un peu comme ailleurs d'ailleurs. Hein. Nous avons les institutions et organismes donc, étatiques, gouvernementaux. Donc, je citerai l'ASAL, c'est l'Agence spatiale algérienne, qui est le responsable de la coordination et de la supervision de toutes les activités donc spatiales en Algérie. Puis, nous avons d'autres organismes importants aussi qui travaillent dans ce domaine, c'est l'ENANA. Qui s'occupe donc, qui est en charge de contrôle de la navigation aérienne, donc l'aviation civile. Nous avons la direction de l'aviation civile et de l'aérologie, qui est en charge donc de la politique et de la réglementation, donc dans le domaine donc aéronautique et spatial. Nous avons l'Institut national de cartographie et de télédétection, donc qui relève du ministère de la Défense, qui est aussi très actif dans le domaine donc d'exploitation des ressources spatiales. Et nous avons aussi d'autres organismes qui sont aussi concernés et qui sont rattachés donc au secteur des télécommunications, mais qui ont un rôle donc de régulation, de contrôle et de réglementation dans ce domaine. C'est l'ARPT, c'est donc l'Agence de régulation des procédures de communication, et l'Agence nationale des fréquences. Et pourquoi ? Parce que dans le secteur, les activités du secteur spatial ils utilisent donc lourdement les télécommunications, donc les fréquences. Qui sont des ressources donc très stratégiques, je dirais. Donc, le deuxième secteur, donc en dehors de ces institutions et organismes gouvernementaux, c'est le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, là aussi, nous avons donc de nombreux acteurs donc, qui interviennent et qui participent donc, à la formation donc, des experts, des spécialistes donc, qui activent dans le domaine de spatial. Je citerai en premier donc, l'Institut d'aéronautique et d'études spatiales de Blida,
qui forment donc tout ce qui est ingénieurs et techniciens, docteurs, etc., dans le domaine aérospatial, navigation aérienne, construction de satellites, etc. Nous avons une nouvelle école qui a été créée donc il y a l'année passée. C'est l'École nationale donc supérieure de géodésie et de télédétection et de technique spatiale donc qui est située à Arzeux. Et nous avons aussi une multitude d'autres universités donc qui forment aussi dans le domaine donc dans tous les domaines liés donc aux activités du secteur spatial. Nous avons l'Université technique d'Alger, nous avons l'Université de technologie d'Oran, nous avons l'ESI, l'École supérieure d'informatique, qui elle forme donc, en partie donc, dans le domaine de tout ce qui est télécommunication et donc, réseau et tout le côté, donc, le côté transmission. Nous avons l'ENST d'Oran, la même chose, elle forme aussi tout ce qui est technicien, ingénieur donc, des télécommunications. Nous avons l'école de l'ENNA qui forme les navigateurs aériens. Nous avons l'école donc de la marine qui forme les spécialistes destinés à travailler dans le secteur maritime. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Et le troisième secteur donc c'est un secteur très important. C'est lui qui doit assurer donc la dynamique du développement des secteurs étatiques et académiques. C'est le secteur professionnel et les entreprises, aussi bien publiques que privées. Là aussi, il y a plusieurs entreprises qui activent. Je citerai donc ATS, Algérie Télécom Satellite, donc qui offre des services dans le domaine des télécommunications et des services donc qui utilisent donc les ressources spatiales, les ressources donc télécom dans ce domaine. Nous avons Divona, qui est une entreprise privée. Nous avons la Sonatrach aussi qui travaille beaucoup, qui a donc des structures qui travaillent sur le développement et développement des utilisations donc des ressources spatiales pour le propre besoin, pour la recherche donc pétrolière, pour la gestion des gazoducs, etc. Et nous avons aussi une multitude donc d'entreprises privées qui travaillent surtout dans le domaine de la gestion de flotte, qui s'est beaucoup développée ces dernières années en Algérie. Bon, je vais en citer deux comme ça au hasard, c'est Algéoflit et VDA Technologies, une est située à Alger, l'autre à Béziers, qui travaillent donc qui offrent des prestations de services dans le domaine de la gestion de flotte, qui utilisent évidemment le GPS et d'autres. Next slide, please. Alors, rapidement, je vais présenter un peu l'Agence spatiale algérienne. Donc, l'ASAL est un établissement public national à caractère spécifique, donc qui a été créé en 2002 et qui est rattaché donc au ministère du gouvernement. Elle est l'instrument et de conception et de mise en œuvre de toute la politique nationale de promotion et de développement de toute l'activité de l'Agence spatiale en Algérie. Donc, c'est la structure qui pilote toutes les actions et toutes les activités du secteur chez nous. Son objectif donc, est de faire de l'outil spatial chez nous, en Algérie, un vecteur performant donc, de développement économique, social et culturel du pays et d'assurer la sécurité et le bien-être de la communauté nationale. Next slide, please. Ben, c'est un peu comme toutes les agences spatiales, comme l'Agence spatiale européenne et d'autres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça passe pas en direct. Next slide. Voilà. Ben, il y a les missions et attributions. Je vais passer rapidement parce que. Alors, toutes ces informations concernant l'ASAL et les structures donc, sont des informations publiques. Vous pouvez trouver donc, vous pouvez, sur le site de l'ASAL. Hein, je les ai publiées. Donc, pour les détails, vous pouvez vous connecter, regarder alors, ces informations. Next slide. Là aussi, l'historique, c'est pour rappeler que l'Algérie donc, est un pays quand même, donc, je l'ai dit, c'est le plus grand pays en Afrique. Et donc, il y a beaucoup de ressources, donc, aussi bien naturelles que financières, qui lui ont permis donc, de lancer un programme donc, de développement donc, d'activité spatiale depuis très longtemps. Donc, le programme spatial, depuis très longtemps, en particulier, donc, le programme spatial algérien a commencé en 1987. Avec la création du Centre national des techniques spatiales, qui est un peu l'ancêtre un peu de l'ASAL. Et puis en 2002, donc l'ASAL a été créé pour prendre en charge un peu tout ce secteur. Voilà. L'Algérie a beaucoup formé donc, des ingénieurs, des techniciens, des docteurs dans le domaine. Next slide, please. Alors là, je vais présenter surtout un peu le,
Alors, la ZAL, c'est important parce que c'est des organes qui travaillent, qui développent un peu tout ce qui est ressources satellitaires spatiales en Algérie. Donc, la ZAL est constituée d'une structure centrale, évidemment, et surtout de quatre entités opérationnelles que sont le Centre des études des techniques spatiales, donc CTS, qui est situé à Arzeux, le Centre des applications spatiales, qui est à Rouen, le CAS, le Centre de développement des satellites et le Centre d'exploitation des systèmes de télécommunication. Alors, les missions sont donc sont indiquées là. Comme je vous l'ai dit, donc, tout ça, vous pouvez le retrouver donc, sur le site de la ZAL et avoir tous les détails. Next slide, please. Ça, c'est pour dire donc l'Algérie donc, a des moyens quand même de développer et de travailler sur, le, sur la, la conception et la, la mise donc, sur le marché donc, d'équipements et d'applications spatiales. Next slide, please. Ça, c'est pour une erreur. Alors, depuis cette période, donc, l'Algérie donc, a lancé plusieurs satellites d'observation, de télécommunication, d'observation de la Terre et de missions scientifiques. Donc, le premier, c'est ALSAT-1, c'était un satellite donc, d'observation de la Terre, utilisé principalement pour la cartographie et la gestion donc, des ressources naturelles. Il a été lancé en 2002, juste à l'année de création de la ZAL. Next slide, please. Alors, le deuxième, c'est ALSAT-2. C'est le même type de satellite qui a été lancé en 2010, qui a une meilleure résolution, donc de 2,5 mètres en mode panachronique. Le troisième slide, please. Next slide, please. Le troisième satellite, donc, c'est ALSAT-1B qui a été lancé donc, en 2016. Donc, la même chose. Donc, il tend donc à rejoindre un peu le satellite précédent et à renforcer donc les capacités donc du pays donc dans l'observation satellitaire. Next slide, please. Et nous avons donc le dernier donc ALSAT-2B qui a été le quatrième satellite d'observation de la Terre à haute résolution qui a été lancé également en 2016. Donc qui permet donc faire donc beaucoup de choses. S'il vous plaît, la next slide, please. Alors, un autre satellite, donc c'est ALSAT-1N, mais lui, il a été lancé en 2016, mais surtout pour les besoins de, il est utilisé pour les besoins de recherche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Next. Alors, le dernier satellite qui a été lancé, c'est donc Alcomsat, le 1. C'est le premier satellite donc, algérien qui a été lancé donc, en 2017, donc, qui est venu donc, pour compléter un peu les ressources donc, spatiales donc, du pays, qui permet d'avoir une plus grande donc, souveraineté, etc. Et donc, il est utilisé évidemment pour le broadcasting, pour la télé, pour Internet et pour d'autres missions donc, de souveraineté nationale. Donc là, c'était pour dire un peu que l'Algérie, quand même, était dans ce domaine relativement avancée, qu'elle avait des moyens et des capacités donc, importants et qui sont utilisés évidemment et qui pourront être utilisés, comme on en parlait un peu tout à l'heure, en complémentarité donc, avec les moyens, services et ressources donc, proposés par l'Union européenne. Alors là, maintenant, je vais parler rapidement des GNSS. Tout à l'heure, donc, mes collègues. Déjà, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, c'est des systèmes de positionnement par satellite donc, qui ont pour objectif de fournir une solution de position donc, pour les utilisateurs dans tous les secteurs. Principe de fonctionnement, j'ai parlé tout à l'heure, ma Marianne a parlé, donc à la présenter. Next slide, please. Alors, tout à l'heure aussi, on a cité un peu différents donc GPS donc GPS plutôt GNSS qui sont donc utilisés par le monde. Ben, il y en a quatre grands. Le premier c'est le GPS américain qui a été créé il y a une quarantaine d'années et qui est le plus utilisé. Il y a le GLONASS russe, le Baidu donc chinois, le Galileo européen. Alors ça ce sont des quatre réseaux, ils ont une couverture mondiale. Et puis deux autres donc ont été créés et puis d'autres aussi avec une couverture régionale. Je citerai le système indien et le système japonais. Et j'ajouterai aussi le système algérien, parce que Alcomsat aussi,
agit comme peut donc être utilisé comme partiellement donc comme GPS. Next slide, please. Alors les GPS, comme tout à l'heure on l'a déjà dit, donc sont très utilisés donc les GNSS, en particulier donc le GPS américain de provenance russe, sont très utilisés en Algérie dans des applications donc terrestres, maritimes, aériennes ou spatiales. Mais ils ne comme donc mes collègues l'ont dit tout à l'heure, ils ne répondent pas donc aux critères donc de précision, d'intégrité, de disponibilité donc exigés par certains secteurs critiques tels que l'aviation civile donc pour les histoires donc les procédures d'atterrissage, etc. ou les applications qui mettent en jeu donc la vie des personnes ou qui ont un substrat donc juridique. D'où l'apparition donc la recherche et l'apparition donc sur le marché donc de systèmes augmentés, de systèmes améliorés, plus performants, et donc qui tiennent compte donc de ces facteurs. En particulier, alors dans le système augmenté, il y en a plusieurs. Il y a le système augmenté terrestre, donc le maritime, etc., etc. Et il y a le système donc augmenté satellitaire, les espaces. Next slide, please. Voilà, j'ai cité quelques-uns pour dire qu'il y en a, donc, il y a plusieurs types de systèmes donc augmentés, basés donc embarqués donc sur avion, embarqués aussi sur bateau, des systèmes terrestres, etc. Donc next slide, please. Donc comme je l'ai dit, donc les performances de ces systèmes donc de navigation par satellite et donc c'est exprimé donc selon les quatre critères dont j'ai parlé, précision, intégrité, continuité et disponibilité. Ils sont très importants. Next slide, please. Docteur Belkiri, il vous reste deux minutes, s'il vous plaît. Combien? Deux minutes, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais aller plus vite. Next slide, please. Alors, là, au niveau algérien, donc le système augmenté donc qui nous sera le plus utile, c'est évidemment EGNOS, puisqu'on le montre à la figure, donc sa couverture donc, touche le nord de l'Afrique du Nord, donc le nord de l'Algérie. Next slide, please. Alors là, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, j'ai dit que l'espace algérien, donc c'était comme ça, il existe, donc après on pourra en parler si vous avez des questions. Next slide, please. Là, il ne me reste pas beaucoup. Suivant, s'il vous plaît. Ensuite, alors, EGNOS a été présenté donc, dans les détails. Là aussi, donc, Mariette a présenté tout ça, donc ce n'est pas la peine de... suivant, s'il vous plaît. Alors, les trois services, hein, tout à l'heure, Maria les a cités aussi, donc ce n'est pas la peine. Suivant, s'il vous plaît. Donc, la zone de couverture, c'est pour montrer là, que l'Algérie, donc le nord, la moitié nord de l'Algérie, donc, est couverte par le service donc, en public, donc un service d'IGNOS, qui peut être donc, utilisé efficacement en Algérie. Suivant, s'il vous plaît. Next slide, please. Ça, c'est pour montrer donc l'IGNOS peut être utilisé partout. Donc, ça, c'est les différents usages civils des GNSS d'IGNOS. Mes prédécesseurs donc, en ont parlé aussi, donc ce n'est pas la peine. Je vous en prie, le next slide, please. Next slide, please, aussi, là aussi. C'est... Alors, en Algérie, justement, tout à l'heure, on a vu que l'IGNOS couvrait donc, le nord de l'Algérie. Donc, plusieurs études ont été donc, lancées pour essayer donc, d'offrir donc, des solutions pour couvrir donc, toute l'Algérie. Donc là, c'est donc, des études ont été lancées en partenariat donc, avec l'Union européenne. Alors, c'est évidemment avec le CTS de la ZAN, le Centre de technique spatiale de la ZAN, l'université aussi. Donc, c'est des négociations. Donc c'était surtout pour le choix d'installation de stations RMIS, stations d'intégrité et de monitoring, pour EGNOS, pour justement élargir la couverture à toute l'Algérie, puis au reste, aux pays donc, africains et du Sahel limitrophes. Donc, ces études sont pratiquement terminées. Les négociations qui sont en cours depuis, je crois, mais elles sont, donc, d'après ce qu'on m'a dit, elles sont en phase finale. Elles vont aboutir, je pense, d'ici quelques mois. Donc, EGNOS donc, pourra être donc, utilisé dans l'identification d'Algérie. Next slide, please.
lancer un peu les études, c'est l'emplacement après les études d'Avenir qui a été proposé. Suivant, s'il vous plaît. Alors là, je voulais parler donc un peu rapidement donc des aspects, donc l'utilisation de la synergie donc entre les capacités donc satellitaires donc proposées par l'Union européenne, donc IGNOS en particulier, Galileo et Copernicus, le satellite d'observation de Terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc l'Algérie a déjà des ressources dans ce domaine. Elle a plusieurs satellites donc d'observation de la Terre qui sont opérationnels. Elle a un satellite de télécommunication aussi qui est opérationnel, qui agit comme SPS et qui apporte donc beaucoup de services. Mais comme vous l'avez vu, donc l'Algérie est un pays très grand et les besoins sont énormes. Le secteur spatial, donc lui, est appelé à devenir un peu la locomotive du développement économique dans tous les secteurs. En particulier, donc l'agriculture, le transport, la gestion des ressources hydriques, la pêche, la marine, etc. Donc le pays a d'énormes besoins. Donc même les satellites algériens, évidemment, à eux seuls ne permettent pas de prendre en charge tous ces besoins. Et de là, donc l'utilité de faire appel et d'utiliser donc les services de ces trois outils et services européens, donc en partenariat donc avec les structures donc concernées algériennes. Un autre secteur aussi qu'il faut développer, qui n'a pas été très développé en Algérie, c'est le secteur commercial. Les entreprises, aussi bien publiques que privées, surtout privées, ne sont pas très développées, à part le secteur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la gestion de flotte. Donc là aussi, il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises européennes de venir travailler donc sur le marché algérien et de développer des applications et des services donc à mettre au profit donc des différents ministères, agriculture, transport, énergie, etc. Next slide, please. Je pense que mon temps est arrivé. Donc là, suivant, s'il vous plaît, aussi. Là aussi, c'est les différentes applications possibles pour l'IGNOS, pour le rail algérien. Donc on passe. Next slide, please. Donc là, c'est un peu tous les secteurs donc, qu'on peut utiliser ici donc en Algérie, avec IGNOS. Next slide, please. Prochain, s'il vous plaît. Next slide. Next slide. Alors là aussi, comme j'ai dit, donc Copernicus, donc le programme de l'Union européenne, donc qui met à la disposition donc des entreprises, des scientifiques, une base complète, peut être exploité, donc comme je l'ai dit, en complémentarité avec les satellites algériens ALSA. Il est en fin de vie, surtout 2, 3, 4 et 5. Il peut être très complémentaire en termes de capacité et de ressources donc, supplémentaires apportées. Suivant, s'il vous plaît. Suivant, la même chose, c'est les différents secteurs, on peut utiliser Copernicus chez nous. Suivant, s'il vous plaît. Donc là, je voulais parler un peu de la synergie qu'il y a entre IGNOS, Copernicus et donc Galileo. Alors, et aussi la synergie qu'il y a entre ces différents outils et les outils que l'Algérie possède. Donc là, c'est des coopérations et des partenariats qui sont développés dans le pays. Et n'oublions pas que l'Algérie est dans la sphère un peu géoéconomique européenne. Là, on est juste en face, on est à quelques centaines de kilomètres de l'Europe. C'est notre environnement naturel. Et donc, il faut donc développer des partenariats d'entreprise. Next slide, please. Là, je voulais citer pour dire que donc, l'Algérie travaille beaucoup sur des projets de partenariat et d'utilisation pour l'utilisation de ses ressources. Donc, spatiales en Algérie, a développé des partenariats avec le ministère de la Culture, par exemple, avec le ministère du Sahara, avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de la Pêche. Et avec les grandes entreprises qui sont de très gros utilisateurs de ces outils spatiaux, que sont la Sonatrach, la Sonelgaz et d'autres entreprises. Donc là aussi, il y a beaucoup d'opportunités pour développer des actions de partenariat et de coopération avec l'Union européenne et surtout les entreprises européennes dans le secteur du spatial et des télécommunications. Pourquoi j'ai ajouté télécommunications? C'est des secteurs qui sont tellement liés. Parce que l'espace en télécommunications, ça ne fonctionne pas et vice versa. Next slide, please. Voilà, comme j'ai dit, l'Algérie a mis en place beaucoup de partenariats avec l'Union européenne, la France, la Chine, etc.
les États-Unis. Et donc là, donc, ce qu'il faut ajouter, donc ça c'est les partenariats, il y a les partenariats institutionnels, donc entre donc, les gouvernements, les agences donc, spatiales, mais il y a aussi surtout à développer le partenariat entre les entreprises, public et surtout privé. Là aussi, c'est un marché très important. Next slide, please. Et voilà, vu que mon temps est terminé, donc je remercie donc tous les participants d'avoir écouté donc cet exposé, et je remercie donc les organisateurs du webinaire. Voilà, merci. Et s'il y a des questions, ben, on est là. Merci beaucoup, Dr Belkhiri. Merci à vous pour cet état des lieux complet du secteur spatial en Algérie. Et aussi de nous avoir montré comment les données fournies par le programme spatial de l'Union européenne sont actuellement utilisées en Algérie et quelles sont notamment les perspectives de développement pour approfondir cette coopération. Nous allons maintenant passer à notre dernière séance questions-réponses. Je vous invite à écrire vos questions dans le chat en bas à droite. Je vois qu'il y a eu un échange assez vif, mais si j'ai bien suivi, il n'y a pas de questions qui restent ouvertes dans le chat. Donc, peut-être pour ouvrir cette séance de questions-réponses, Dr Belkhiri, vous avez sur une de vos diapos, vous avez dressé la liste du développement économique, des différentes parties du développement économique auxquelles le programme spatial européen peut fournir un soutien. Si vous deviez hiérarchiser, quel est le besoin le plus pressant de l'Algérie qui pourrait s'appuyer sur EGNOS ou Copernicus ou Galileo et comment le programme spatial de l'Union européenne pourrait aider à y répondre? Oui, merci pour la question. Je répondrai que ça, c'est un œil personnel, c'est l'agriculture. Pourquoi l'Algérie a d'énormes besoins? Nous avons, comme j'ai dit, 45 millions d'habitants donc à nourrir et à protéger, disons. L'agriculture en Algérie n'est pas suffisamment développée. Elle est en cours, il y a plusieurs plans donc, de modernisation et de développement. Et surtout, donc, l'Algérie est un gros importateur, par exemple, de blé. Un gros importateur de lait. Et un gros importateur d'autres ressources, mais surtout le blé. Et nous avons vu qu'avec la guerre, par exemple, l'exemple de la guerre entre l'Ukraine et la Russie a montré qu'on était fragile dans ce domaine. Il suffit d'un arrêt donc, des importations. Mais heureusement qu'il y a d'autres pays où on peut s'approvisionner. Il y a le Canada, il y a la France, etc. Mais quand même, ça a été. Donc là, ça a donné à réfléchir à nos autorités pour justement accélérer la modernisation de l'agriculture en Algérie. Alors, c'est sûr. Et là, actuellement, il y a des plans pour donc, développer surtout au sud. Nous avons donc un grand Sahara, un grand désert, mais un désert qui est très fertile, parce que les terres sont restées pendant des milliers d'années, donc elle est très fertile. Donc on a déjà commencé, il y a une production donc, qui se fait, mais là aussi, donc, la production doit être renforcée, et surtout, elle doit être donc, industrialisée à grande échelle, et donc pour cela, donc, il faut automatiser. Donc il y a des besoins d'automatisation, de digitalisation. Et pour ça, donc, l'outil spatial, les outils spatiaux donc, seront très intéressants et permettront donc, d'accélérer ce processus de modernisation de l'agriculture. Ça, c'est pour le sud. Et pour le nord, la même chose. Le nord, l'agriculture est développée, mais pas suffisamment. Elle n'est pas suffisamment automatisée. C'est toujours l'agriculture donc, traditionnelle, manuelle. Donc là aussi, ce serait bien donc, d'intensifier donc, la modernisation. Et surtout l'automatisation, à travers l'introduction donc, de beaucoup plus de tracteurs, et surtout la digitalisation, pouvoir contrôler tout ça. Et là, les outils donc, que vous avez présentés tout à l'heure, donc, ce serait très utile pour la gestion des parcelles, la gestion des semences, la gestion donc, de l'arrosage, de l'hydraulique. L'hydraulique, alors l'autre secteur aussi qui est très important chez nous, je le déclasserai en deuxième, mais qui est lié à l'agriculture, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est très important parce que l'Algérie, donc régulièrement, c'est des cycles, traverse des cycles de sécheresse. D'ailleurs, depuis 2 ou 3 ans, nous avons un gros problème d'eau en Algérie. Et même dans les villes, nous avons des l'eau qui est alimentée une fois tous les 2 jours ou 3 jours. Parce que les barrages sont à moitié vides, pour ne pas dire à moitié pleines, je dirais à moitié vides. Donc là aussi, il y a de gros problèmes. Donc là aussi, le satellite peut intervenir, donc peut intervenir et accélérer un peu
l'amélioration donc de la gestion des ressources hydrauliques, à travers les barrages, à travers l'étude des sols, des pluies, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est le transport. Il doit le transport, mais surtout le transport ferroviaire. Là aussi, comme j'ai dit, nous avons un très grand pays. Nous avons le réseau routier le plus grand en Afrique. Donc, il y a l'Algérie au nord, il y a le sud qui est très grand. Et il y a des routes, il y a une transsaharienne qui est en train d'être construite, qui va relier donc l'Algérie à tous les pays donc du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, qui part du Nigeria donc jusqu'à Alger, avec des ramifications vers la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, etc. Donc là aussi, il y a beaucoup d'applications donc basées donc sur ces outils, les services donc satellitaires, qui peuvent être donc utilisés pour le développement, l'amélioration, et donc l'accélération un peu de modernisation donc du secteur du transport terrestre, la gestion de flotte, etc., etc. Il y a la marine aussi, mais surtout, moi je verrai surtout le secteur terrestre. L'aviation, les applications donc aériennes sont déjà prises en charge. Nous avons donc les grandes compagnies donc nationales, la CER Algérie, Tassili, qui utilisent déjà un peu les méthodes modernes de navigation, comme l'ambiance, etc. Nous avons aussi l'ENANET qui travaille dessus, qui utilise aussi donc des systèmes donc de navigation améliorés. Ils ont commencé par utiliser donc le système le différentiel GPS. Et là, ils vont probablement donc utiliser le système IGNOS qui est très performant. Mais je dirais que c'est surtout le transport terrestre qu'il faut renforcer. Et puis, il y a d'autres secteurs. Il y a le secteur aussi de l'environnement, qui est aussi très important. Il y a le secteur des catastrophes naturelles. L'été passé, nous avons eu de très grands incendies en Algérie. Tout le nord de l'Algérie a brûlé. On a eu des centaines de victimes et des milliers d'hectares de forêts qui ont été ravagés. Là aussi, l'outil, donc, la précision et la rapidité d'obtention de l'information à travers donc, les satellites, à travers donc, Copernicus, peut être très utile pour la détection d'incendies, en complément avec les satellites algériens aussi. Mais les orbites ne sont pas les mêmes, donc elles peuvent être complémentaires. Les altitudes, les orbites, etc., les jours de passage, etc., ne sont pas les mêmes. Donc, ils peuvent être complémentaires et aider donc, énormément la Direction générale des forêts, justement, vers prévenir les incendies. Et aussi, même une fois que l'incendie a eu lieu, à évaluer les dégâts, par exemple, ou avoir accès aux zones où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de piste. Là aussi, c'est un secteur, donc, les catastrophes naturelles. Et il y a aussi la surveillance des tremblements de terre, sur un terrestre, au niveau donc, des fissures, etc. L'Algérie est, donc, comme toute l'Afrique du Nord, l'Italie, la Grèce, etc., sont situés sur une fracture, une fissure donc, terrestre très importante. Donc, il y a très souvent des tremblements de terre. Il y en aura. Donc, là aussi, c'est un secteur aussi donc, lié aux catastrophes naturelles qui peut faire appel donc, aux outils donc, Copernicus, etc. Et puis, il y en a d'autres. Je pense que les autres, vous les connaissez. Mais là, j'ai cité un peu les grandes priorités. Oui. Merci, Dr. Belkhil. On retient donc que les besoins sont multiples et plusieurs sont pressants, y compris donc l'agriculture. Peut-être avant, on va toujours donner la possibilité à nos participants de poser des questions dans le chat. Peut-être c'est maintenant le bon moment pour moi de résumer en quelques mots ce que l'action globale peut apporter pour à la fois poursuivre le dialogue que nous avons mené aujourd'hui pour identifier les besoins et les possibilités de coopération, mais également pour nos participants à titre au nom d'entreprises ou publiques et privées desquelles ils pourraient faire partie, comment ils peuvent bénéficier de l'action globale. Donc, je vous invite à consulter régulièrement le site internet de l'Action Globale. Mes collègues vont encore une fois partager le lien dans le chat. Et sur ce site, vous avez également la possibilité de vous abonner à nos médias sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube, pour toujours être à jour pour les activités de l'Action Globale. Notamment l'activité du business coaching. Donc, le business coaching, ça consiste à un appel à candidature permanent qui va jusqu'à la fin de l'action globale en 2024, mai 2024. Mais vous avez d'ores et déjà la possibilité
au nom d'une entreprise publique et privée qui doit jouir du statut de personne morale, d'introduire votre candidature dans le but de profiter de ce business coaching qui consiste à identifier dans quel secteur vous êtes actif, comment vous utilisez des services ou des données fournies par le service spatial de l'Union européenne. Donc, au sens large ou strict, vous devez donc avoir un rapport avec le secteur spatial. Et sur cette base-là, on va vous proposer de former des pairs avec des entreprises européennes qui participent également à ce business coaching en vue d'un partenariat commercial qui permet à l'entité algérienne et à l'entité européenne de tirer profit de ce partenariat. Et sur vos besoins vraiment spécifiques, on va vous proposer sur mesure un coaching qui prend en compte vos besoins, qu'ils soient techniques, commerciaux, juridiques ou parfois même interculturels. Et on va vous assigner donc des coachs qui vous accompagnent d'entamer ce partenariat qui, on l'espère bien pour vous et pour nous, débouchera sur un partenariat commercial qui s'appuie donc sur des services et des données du programme spatial de l'Union européenne. En plus de cet appel à candidature permanent, on vous invite à participer à nos webinaires. Et sur ce base de ce premier webinaire pour l'Algérie, on va donc identifier les enjeux et poursuivre le dialogue aussi au niveau institutionnel entre la Commission européenne et ses homologues au niveau algérien, mais aussi au niveau académique et dans le secteur privé. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat et je vois qu'il y en a une. Adressée au Dr Belkhili, merci beaucoup pour un exposé bien intéressant. Vous avez mentionné les développements dans EGNOS. Comment est-ce que vous voyez la position des autorités algériennes dans ce dossier? A-t-il une volonté d'avancer? Question peut-être un peu sensible, mais si vous souhaitez répondre. Si vous pouvez activer votre micro, Dr Belkhili. Ouais, oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Oui. Vous m'entendez très bien. Ouais. Effectivement, là c'est une question qu'il faut poser aux autorités. Je ne représente pas les autorités. J'interviens en tant que donc, spécialiste donc, technique du domaine pour un état des lieux du secteur spatial. Mais je ne représente pas officiellement donc, ni l'ASA ni le gouvernement. Ça, c'est des questions qui... Mais je suis optimiste. Je pense que les négociations... J'ai discuté avec des collègues qui travaillent dans les différentes instances concernées par ce partenariat. Ils m'ont affirmé que les négociations étaient en bonne voie et que je pense que les autorités veulent aboutir. Évidemment, il y a des intérêts donc, des deux côtés. Et d'après ce qu'on m'a dit, donc, il y avait des... Un litige, mais des différences au niveau d'appréciation pour l'emplacement par exemple, des RMIS. Nos autorités préfèrent les mettre dans certains endroits, l'Union européenne propose d'autres endroits. Mais là, les négociations sont en cours et je pense qu'ils vont arriver à un compromis pour le choix de ces stations. Et puis, les autorités sont conscientes que ces outils européens, en particulier l'IGNOS, sont très utiles. Ils permettent d'améliorer, parce que comme je l'ai dit, donc, l'Algérie utilise beaucoup. Donc, GPS, dans des différentes applications terrestres, aériennes, etc., professionnelles, individuelles, etc. Ils utilisent aussi le GNOS, aussi le russe, qui est très utilisé. Et là, mais comme je l'ai dit, donc, la précision n'est pas, et les autres donc, facteurs ne sont pas assumés. Donc, l'Algérie a besoin donc, du système EGNOS. Elle a besoin donc, de l'utiliser. Et elle a besoin aussi que sa couverture donc, couvre l'ensemble du pays. Parce que pas uniquement le Nord, comme c'est actuellement. On voudrait que donc, la couverture touche l'ensemble. Si par exemple on doit développer des applications, surtout importantes, stratégiques ou la critique, et on doit toucher l'ensemble du territoire. Si on gère par exemple un parcours, je prends l'exemple du transport. Transport, je dis, il y a des routes qui vont d'Alger jusqu'à Tamanrasset. Donc si à travers IGNOS, on peut uniquement avoir la précision sur la moitié, ce n'est pas très intéressant. Il faut qu'on ait la précision sur tout le trajet. D'Alger jusqu'à Tam, il y a plus de 2000 km. Voilà mon avis. Mais je pense, je suis optimiste, ça va. Mais là, je pense que le mieux, c'est de se...
les autorités sont en négociation, qui sont au courant. Nous, c'est de saisir donc la LASA, les autres structures concernées, le ministère du Transport, etc., qui gère le dossier. Merci. Merci à vous, docteur Belkhiri. Et comme on a pris un peu de retard, je vais peut-être passer le petit résumé des présentations, d'autant plus que M. Luis Cuervo et moi avons une autre réunion qui nous attend. J'espère tout de même que vous avez tous trouvé ce webinaire intéressant et je remercie aux participants d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir posé des questions. Et je remercie évidemment aussi nos intervenants pour les présentations intéressantes que vous avez données aujourd'hui. Et un petit dernier mot pour les participants. On vous prie de bien vouloir répondre aux mails qu'on va vous envoyer avec un petit sondage pour savoir quels sont les sujets qui vous intéressent, le webinaire vous a été utile. Parce que comme j'avais dit, l'action globale va continuer jusqu'en 2024. On va encore donc organiser d'autres webinaires et on souhaite en proposer des thématiques qui sont les plus proches de vos besoins et de vos intérêts. Merci donc à tous et à toutes pour votre participation et vos interventions. Je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Ah, je vois que, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais je vois qu'il y a encore une question. Non, je crois que... Ah, Dr Belkhiri, vous êtes encore là? Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les données climatiques? Non, c'est peut-être... Non, on va essayer de... Malheureusement, je crois que les représentants de la commission sont déjà partis. On va essayer de répondre aux questions qui restent par email. Merci beaucoup, donc. Merci. Au revoir.